Bonjour, je suis Saint-Off-Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Hier, dans le cadre de la pause opérationnelle de la guerre et après sept semaines atroces en captivité sous l'emprise du Hamas, 14 Israéliens ont été libérés ainsi que trois citoyens étrangers. L'une des femmes libérées est Alma Avram de 84 ans qui avait été enlevée le 7 octobre. Dans une vidéo diffusée ce jour-là, on la voit assise sur une moto entourée de terroristes du Hamas armés de fusils. Alors que d'autres rapatriés ont été conduits au poste frontière, Alma a été transférée par hélicoptère directement à l'hôpital, étant donné que sa vie était en danger. Son état grave est la conséquence directe du fait qu'elle n'a pas reçu les soins nécessaires pendant sa captivité et l'absence de la Croix-Rouge. Et significative. Après une longue attente, la famille brodetz a été réunie. Quelques jours après le massacre commis par le Hamas le 7 octobre, Avichai brodetz a déclenché un mouvement de protestation à Tel Aviv exigeant le retour de tous les otages sains et saufs. Ce faisant, il a notamment fait entendre la voix d'une petite fille de 4 ans, Abigail Idan, la fille de son voisin. Il a décrit l'horrible histoire de ce qui s'est passé à Kfar Aza. Ce matin-là, on a frappé tout doucement à la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Abigail Roy, la fille de mes amis. Dingue tout d'un coup, elle s'est mise à courir vers le parking. Je l'ai appelée, elle a continué à courir. Je l'ai suivie et je l'ai rattrapée. Elle était pâle et pleine de sang. Ce n'était pas son sang, mais elle était vraiment pâle et éclaboussée de sang de partout. Je l'ai amenée à Agar, mon épouse, pour qu'elle s'en occupe et je suis parti secourir les autres. Il est ensuite allé combattre les terroristes. Malgré ses actes d'héroïsme, il n'a pas mentionné le rôle qu'il a joué jusqu'à présent, craignant que cela ne compromette la libération de sa famille. À son retour chez lui, Avigail, Agar et ses trois enfants avaient disparu. Il a d'abord pensé qu'ils avaient été assassinés, mais quand il a découvert qu'ils avaient été kidnappés, il a décidé de manifester pour exiger le retour de tous les otages. Hier soir, il a retrouvé sa famille. Sa femme Agar est rentrée chez elle avec leurs enfants, Ofri de 10 ans, Yuval de 8 ans et Oria de 4 ans. Avec eux se trouvait Abigail Idan, la petite de 4 ans. Ses parents, Roi et Smada, ont été assassinés par le Hamas le 7 octobre. Elle a retrouvé ses frères et ses sœurs aînés et ses grands-parents. Abigail. Le président américain Joe Biden a mentionné le dernier acte héroïque de son père Roy, qui a été abattu alors qu'il utilisait son corps pour protéger la petite Abigail. Les parents d'Abigail ont tous deux été assassinés, de même que Noam, le père de Daphna, et Ella Eliakim, et Nadav, le père d'Agam, Gal et Tal Goldstein Almog. Si certains de nos enfants captifs sont rentrés chez eux, beaucoup sont encore retenus en otage, notamment Ariel Bibas âgé de 4 ans et son frère Kfir âgé de 10 mois seulement. Il y a au moins 184 autres otages à Gaza. À la fin de la pause opérationnelle et du cadre de libération des otages, Israël reviendra en force pour atteindre ses objectifs démanteler le Hamas faire en sorte que Gaza ne représente plus une menace pour les citoyens israéliens et libérer tous nos otages. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.